Faut dégager ou mettre parole là dans faux cœur. Seule façon qu'a sauver ou. Faux cœur. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde dans le fond de ton cœur. Oh, c'est la car mes alliés, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour leur. Tout leur corps. Verset 23. Alors, filmez le dans ton cœur, mais ça fait. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Là où on finit, mettez la parole dans ton cœur. Ou pas si tu as regardé ou en télévision. Ou pas exposer la fausse doctrine. Ou pas lire ou en policier. Ou à souiller cœur avec yon bonne vieille semence, mauvaise semence. Ou pas chita nan banque blague. Ou pas retrouver avec de mauvais amis. Il y a de mauvais amis. Mais ou kembe cœur propre, ou kembe pensée propre, kembe intelligence ou propre. Parce que ça c'est la vraie parole. Ou la saine doctrine. Qui ça dit après ça? Car de lui viennent les sources de sagesse. Parce que le cœur gagne la vraie parole installée là-dedans, de lui viennent les sources de la vie. De la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Les détours. Que tes yeux regardent en face. Que tes yeux regardent en face, pas sous-côté. Que tes paupières se dirigent devant toi. Un monde qui a des yeux verront, pas qu'à voir la vérité, j'en liais. Et comme ça l'explique dans Lévitique 21. Ou qu'à des yeux verront. Mais que yeux droits. Il doit avoir un tache dans les yeux. Et il est vrai que tu as parlé à un sacerdoce. Il doit avoir une date. Ou qu'il doit gal. Ou qu'il doit boss dans le dos. Ou qu'il doit déformation. La parole de Dieu n'a pas qu'à un espace dans le jour pour le travail. Maintenant, mais ça va vous faire. Considère verset 26. Le considère le chemin. Par où tu passes. Par où tu passes. Considère le chemin par où tu passes. Que toutes tes voies soient bien. Toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite. N'incline ni à droite. Ni à gauche. Ni à gauche. Et détourne ton pied du mal. Détourne ton pied du mal. Faut qu'un bête tout dans route ça. Maintenant, ou gagne là, mais ou négligent. Ou prend la légère tout ça yo enseye yo. Ou pas saisi les choses. Parce que ou abdomi. Et yon moun ki négligent en ce sens, ou a paye pour lui. Moun paye cher pour négligence. On ti baga ki pas semble sans rien, ou paye cher pour lui. Très cher. Mais absolument bon exemple ça, mais. Fè Gaston kon sa mwa di la. Le n'tap construit. Extension de gen là en béton non premier temps de gen la craser n'était pas être un gens susceptible ça c'est ingénieur Franzi Pierre qui était là m'a dit frère mettez fait et le ça à cause de genre en batéa ingénieur a dit n'a fait avec sa rivière nous tout mettre ensemble que Gaston pour nous mettre solidité dans ça c'est vrai. C'est premièrement le Seigneur qui t'a aidé nous. Mais t'es compris que chaque t'es point tout. Pas le besoin que tout le monde soit mouru en Haïti. Négligence fait 300 000 personnes mourir non seul soir. Et ça c'est le produit de la négligence pure. Et l'autre bagarre que moi plus grave. Et pas tout qui apprend le son nous. Ou a passé, ni gouvernement n'a pas mis trop de restrictions, ni moun yo a construit presque même gens. C'est deux ou trois moun, deux ou trois côtés qui respectent la loi. Gen moun ki pa jamais apprendre. Alors que genye un tremblement de terre qui passe quelques jours après, au Chili, 109 moun mouri. Gen moun ki passe aux États-Unis, pas gen moun mouri même. Pas Japon depuis terrible. 9 000 moun mouri, ou retiré dans 300 000 moun. Combien? Calcul la voie. Et yon même yon te tellement gen par yon terrible, c'est 9 points le teye. Yon te gen tsunami. Négligence son gros bagay. An nou presse vite fait ça là. Kouvri le bayo. Van yol, loué yol. Qui te yon, l'autre yon même entré en bal priorité. Là, tout ton pays a fait négligence, tout ton peuple livré. Négligence coûte cher en pile.
Maintenant, l'on fait naturellement, il coûte au cher naturellement. L'on fait dans le sens individuel dans la vie, il coûte au même. Ça le vaut. L'on fait spirituellement tout, il coûte au salut. N'importe qui boit, fait l'a coûté. On vient l'esprit. En allant dans le chapitre 10 dans le proverbe là, et je travaille sur ça. Si nous avons temps pour nous travailler sur négligence Israël, nous avons coûté nous un pile de temps. Même dans un travail sur ça. Oh. Verset 4. Celui qui agit d'une main lâche. Celui qui agit d'une main lâche. Lâche. S'appauvrit. S'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. S'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. Enrichi. Verset 5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Et celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il a récolté ou a dormi. Par ce. La main des diligents enrichit. Qui l'a mon diligent? L'on a zèle. L'on a empressement dans de bonnes choses. Ou à presser pour faire le bien. Ou inspirer dans les bonnes choses. Ou prendre temps pour cultiver tête. Dans ça sérieux. Alléluia. Témoin si nous l'autre pour là. Proverbe 21. Nous souhaitons que vous preniez. Verset 5. Les projets de l'homme diligent. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Ça c'est remède là. Ça c'est remède là. Et l'homme vient conscient des choses ou joigne certaines informations ou pas tant de monde vient à courir dehors pour aller faire bon bagay. Depuis à courir dehors monde pour aller faire bon bagay. Ou gon natu bouk, ou wè bagay lò, konnen se fò pa fèl, natu ou neglijan. Yon bouk gen konesans, yon bouk konn sa pou l'fè, se fèl pa fèl. A yo wè pa kon sa. Va mette yo kun kod nan tèt li, li suiv le bon berje. Men l'esprit yon a yo. Lò, dil sa Kris te fè. Ou dil sa Kris te di pou komanse, ou montre kod Kris te fèl, et si je veux que le ministère enseigne, le ministère a fait, on va besoin de courir derrière, il seulement suivre. Il pas seulement suivre, non, il peut aller forcer pour suivre. Pourquoi ça m'apprécie? Moi, j'ai un monde qui va me traquer ici. Même j'ai un monde tout. Et ça qu'encourage, moi, j'ai un monde qui va me faire avec vous. J'ai un monde qui presse pour faire le bien. Ou pas me faire avec ou pas parler en pile avec vous. Il seulement comprendre, il suivre. A esprit a yo liye. E pa nan fè wè non? Li seulement suiv. Gon lòt ou fè 10 ans ap gouman avèl pou un seul point. Li va chanm okipe ou. Ou pa gen ingredyan lepouz nan ou. Yo pa ka gouman avèl pou un seul point. Et combien point genyen? Pou un seul lè ou gouman avèl ou kembèl. Ou santou a lèz la dan paske ou gon konfòr. N'importe qui l'aura à l'aise, non, bagay monsieur Gouma avant. On va pas déplacer Gitil. Donc, je vais vous témoigner, c'est parce qu'il t'a marqué l'esprit, moi. Et nous avons une convention là. Et puis, nous allons faire mon manger. Et dans la période de temps, ça, après le service a fini la guerre, vers 3h, 3h30, nous avons grand goût. Vous voulez manger. Manger à là. Mais nous disons, font ligne. Il tend des lignes. Il comprend lignes. Il comprend moi. Il quitte ligne non, il masse n'importe là. Il dit bien-aimé font ligne. Gars qui garde comme ça, il va occuper. Il dit bon ben pas résoudre problème non. Et il dit mes frères, n'a pas changé stratégie. Porte ça mon masse là dedans. Nous fermer. Passer par en bas, tout déraper à l'en bas. Cette date m'a dit font ligne.
Je vais m'occuper. Comme dit monde qui parle manger sans bail, on va le passer qu'il y a tout dérapé sans difficulté tout à l'en bas. Question d'intérêt. Question de diligence, de négligence, li attaché à question d'intérêt. Yon moun néglige un baga qui pa gen importance pour lui. Depuis ou pa gen amour pour yon baga ou pral néglige, li pa important pour. Mais l'oremon baga ou yon moun ou pa néglige. Tout dévouement, zèle là, son question d'amour. Li bâti sur le Seigneur. Vous avez dit proverbe 21, pas vrai? Gon l'autre que nous avons dit là, tout, oui, non. C'est même bagali dit. Proverbe 12, pas vrai? Verset 24. La main des diligents dominera. La main des diligents dominera. Maintenant, c'est ça qui est arrivé à Abel. Abel, dans l'esprit, il te prend bon Dieu au sérieux. Bon Dieu révélé certaines choses. Eh bien, à cause de gens qui approchent de Dieu, dans l'esprit, bon Dieu parle avec elle. Aussi simple que ça. C'est pas parce qu'on ouais, mais son attitude d'esprit lié. Eh bien, puisque je joue une direction, bon Dieu, lui présenter offrande là, bon Dieu agréé. Caïn ouais pas l'a pas accepté. Il y a un problème, automatiquement jalousie prend, mais son mauvaise attitude. Et mais ça a pour faire. Qui t'aime pour un verset contre vieux l'esprit Caïn. Là où est un monde réussi, mais ça a pour faire. C'est pas jalousie pour gagner, c'est humilité pour prendre. Verset 29, dans Proverbe 22. On met série verset ça. L'imdande. Ne déplace pas la bonne ancienne. Verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage. Il se tient auprès des rois. Il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Mais les gens ne peuvent pas puiser, ils prennent lumière en côté. Si c'est roi qui réussit, c'est pas roi qui arrêter. Gon bagalité à prendre, faut me connait ça que fait le mener le rivé là. M'bral bon yon petit problème nous gagne dans pays ici. C'est haïtien yé ou vive li m'a mande pas suivre li et moi k'ap mande pas suivre li. Nous gagne orgueil des salines. Nous gagne orgueil première nation noire indépendante de l'hémisphère occidental. À ces paroles. Nous avons orgueil ça. Nous avons occupé Saint-Domingue. Boyer. Et pas comme ça de l'Ibaye. Ok. Mais pendant que nous dit tout le bagage, ça, nous même copier, nous ne pouvons pas copier. En 2013, nous ne pouvons pas faire bicyclette dans le pays. En 2013, nous ne pouvons même pas faire une bourrette et acheter pour nous acheter le voyage. Nous ne pouvons même pas copier ça. Mais les fils de Dessalines, nous sommes des hommes libres. Qu'est-ce que libre là? Nous suis pas là pour Noël. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès d'un. Auprès d'un, ouais. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Mais ça, il dit nous encore. Verset salé au lit pour nous. Il dit, l'on besoin de succès, cherchons un monde qui a un succès dans le travail, copier sous lui. Haïtien n'a pas fait ça, le voler son gagnant. Il seulement vole ça, le prend et ça seulement le prend. Pour si vous avez un monde où il y a un succès, quand on est passé, qui s'en fait? C'est ça que fait Pierre-Yves côté Rivière, parce que il prend temps de suivre Christ, il parle à Christ, Christ parle avec elle tout. Moi, si je viens de Christ, mettez la tête sur l'estomac. Parlez dans les oreilles, moi. Qui demande des oreilles pour dire? Qui t'aime jouer une bagaille qui a fait me réussir. Alléluia. Viens avec Pasteur de Rivière. M'rete côté. Et nous pas de même corpulence. Même dit tête moi tout ça monsieur ça a fait.
on va le faire tout net. On dit pas grand rien moi le fait m'a quitter d'air. Il était qu'on joue à côté on joue tout. Lui même il gagne l'estomac pour aller à côté moi même pas gagne l'estomac mettez le sous l'estomac moi tout. Il parle anglais, me cherche comment prononcer R yo. Je ne parle pas l'anglais, je vais prononcer anglais même Javel. Même de terre, de même. Et après, je vais ça. Il y a un coup d'anglais de faire pour nous, il faut que je dise là, même Javel. On est holdé pour moi. Je vais te mettre en Britel. Je cherche un Britel, mettre tout. Je vais te conduire machine. Je vais conduire tout. Ndewel de kon fè koral. Yè fon goup. Ndewel de gen müzik. Mla de va la. 1, 2, 3, 4. Finalman, te semblon... On moun kapè de kopye. On te semblon indécent. Se kon sa le sè mette l nan kèm. Finalman, pa gran pil bagay li fè m pa fè yo toujou di ya. Mwen remè l'évangil. Mwen remè l'évangil tout. Levez voile bien forme, levez voile tout. Même temps, j'ai pas de bon non même. Comment t'es comme ça? Et quand il m'a posé cette question, comment t'es comme ça? Même moi contre le Seigneur t'es béni, sincérité de cœur. Madame seulement copie en monde. Ndé mes sac dans lit t'es bon. Dans mes sauver même Javel. Finalement moi elle remet pas bon Dieu, me dégager moi remet tout. Le tout mon a parti moi rete m rete tout. Finalement le mandem ça a fait me dit m'a prêt avo. Et me te gen visa. On goto rive, chaque fois elle a fait jouette pour ti moun, yo fait jouette fou, jouette popé, popé on ti moun ni. Ou comprend son jouette li, vrai a montrer ti moun, yo fait bibon pour popé. Y a montrer ti moun nan bay bibon. Depuis là montrer le fait y manger pour te bailler moun on va sentir manger jouet ti moun fait té même dégé manger té yo mettez dans bouche chocolat nous songe mais ça ou va prendre son bail jouet seulement qu'a régler ti moun a pas apprendre comment moun fonctionner a lever comme ça tout. On peut s'en lever qui ouais papa au grand bagaille. Au lieu de travailler dur dans chaque papa, il veut c'est ça papa gagner pour le prendre ça, il pas travailler dur. Quelques 20 ans de ça, pour me gazon qui dans Kafounazon là. Tes grand monsieur qui tes grand petite qui gagne. Il a ambition, il a jalousie. On vient sur papa, il dit papa, bam toute bagaille, il a les amener. Papa dit mais prends yo non, prends yo. Il pense il prend toute bagaille. Li prend l'aller. Papa va jambe encore. Li quitte réalité a. Li quitte ça va pas rien pour enseigner là. Comment il te fait comme là? Ouais, l'on négligent. Gon le cas privé. Ou a gen jalousie. Jalousie a fort détruit. Mais son mauvaise attitude lié. L'on diligent. Lò an alert, ou ap apprendre. Et cœur ap sauvé ou. Ou ka levé mon le di le Seigneur, merci. Glory. On a nan Proverbe 26 là. On nou li quelques versets là-dedans. Verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Alors, moi, je fais ça parce que j'ai besoin de dire un bagage sur ça. Lorsque vous avez un bagage qui est important dans la main, vous ne pouvez pas l'important sous négliger. Ou après tout, vous avez un ancien ça ou vous avez un. Même s'il n'est pas bon. Parce que vous n'avez pas le sens des valeurs pour honorer ce que vous avez dans le monde. Pas fait ça. N'a pas essayé d'inculquer à vous-même de bonnes attitudes.
Et ça a privé n'importe qui est. Ça a pas encore arrivé, mais si vous négligez la privé. Parce que l'on négligeant dans le royaume de Dieu, pas d'importance aux choses spirituelles, on l'a retourné dans le monde. Et c'est dans le monde religieux qu'on l'a retourné là-dedans. Parce que cœur pas attaché à ça, aux vraies paroles. On l'a perdu. C'est ça qui est arrivé à Israël, il perdu. Perdu sacerdoce là. Verset 12. Si tu vois un homme qui se croit sage, il n'y a plus à espérer de n'insensé que de lui. Continuez. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Il y a un monde qui négligent toujours à bon alibi. Parce que pas oublier, les négligents sont craintifs. Les craintifs sont les gens qui remettent tête li en pile. Par relation, je parle là. Et tout ça pour faire réussir, il perd tout. Donc, c'est comme ça que son monde qui ont maladie, il est empoisonné. Il n'a pas réussi parce que mental li bâti mal. Jodi a fait travail sous tête tout. N'importe qui sort ou est qui bon. Ou pas qu'à créer habitude avec pour rejeter. Ça qui bon même s'il est difficile. Si c'est lui-même d'après compréhension, d'après jugement qui pral mener à la réussite, c'est pour payer prix, accepter le produit. Verset 14. La porte tourne sur ses gonds. Et le paresseux sur son lit. Verset 15. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Et on monte toujours à étudier. Il est toujours à plein d'enseignement. Mais il ne va jamais manger vrai. Il ne va jamais arriver dans son cœur. Verset 16. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répondent avec bon sens. On est dans le chapitre 6 là. Depuis verset 20. On nous prend un exemple ça. Mon fils. Oui. Garde les préceptes de ton père. Chapitre 6, oui. Verset 6. Proverbe 6, 6. Oui. Va vers la fourmi paresseux. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies. Considère ses voies VOIES. Et devient sage. Devient sage. Mais ça le fait. Elle n'a ni chef. Il n'a ni chef. Ni inspecteur. Ni inspecteur. Ni maître. Où est le verset 7 encore? Elle n'a ni chef. Ni chef. Ni inspecteur. Ni inspecteur. Ni maître. Pas de personne qui force le faire rien. Ça c'est nature fourmi. Un gros exemple la Bible prend là. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas d'inspecteur. Il n'y a pas de superviseur. Il n'y a pas de personne qui a pris l'air. Mais il sentit de par lui-même. Amen. Fol travail. Un gros exemple ça. Fol travail. Vous qui savez relayer d'ailleurs pour étudier un petit bout de verset. Ou pas de instruction ça. Vous qui savez relayer d'ailleurs pour prendre soin frère. Qui t'aime pas le mal devant. Non, assemblé comme ça. Sous par un second bande, nous ne pouvons pas prendre la donne. Sous négligent, ou avons besoin de bande, nous là. On va même continuer dans la même assemblée, il y a avant. Tandis que vient dans le même service avant, chaque semaine. Mais on ne peut pas payer le prix pour qu'on qui est lié. On néglige, attendez. Vrai l'esprit quoi, c'est pleurer avec ceux qui réjouissez-vous avec ceux qui se si pas même qu'on sujet réjouissance comment on va le faire réjouir avant même prier m'pa ka prier pour parce que m'pa konnen soit pleurer mais on va prendre prétexte on va dire mes amis mais tout le monde ça pour me faire parce qu'on pour encore là on encore connaît qui problème il y a encore. Si mon clou pique mon papier, zore mwen konnen.
Vrai ou faux? Yes. Pas une trompette qui a dit oreille ou bien yeux. Mon clou piqué, c'est dans le corps allié. Gon communication générale. Là, dans le corps, comment ça va passer dans le corps? Autre jour, c'est le si grand problème, la distance pour minuit, tout le corps au courant. Réveillez pour nous prier, gon bien aimé, gon problème, fais vite. Parce que vous concerné. Mais si ça va loin. Non, vrai, l'esprit n'a pas parlé là. Yo pas voye nouvelle ba ou. Mo ap santou concerné. Bon kote ou a privé, c'est pas nouvelle seulement k ap vin jwenn par téléphone non. Ou ap santi gon bagay. Parce que gon lèk va arriver, jodi a nou nan thérapie. Mais gon lèk va arriver, nerf yo va réveiller nan corps. Nerio, ce sont des porteurs de messages. On va besoin d'oreilles pour dire qu'on a un problème dans le corps. Nerio, il faut qu'on ait. Nerio, non, encore son gros bagaille. Il est sensible. Il est intelligent. Et elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson. Paresseux. Verset 9. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil. Un peu d'assouvissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté. La pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en âme. Il pas semble à pauvre ou à pauvre. Ou seulement rester au pauvre doucement. Et ça fait un diligent. Il y a un monde qui réveille, un monde qui gagne zèle. Dans les choses, pas faire comme ça. Dans mes messages, ça a passé. Parce que je parle avec tout le monde. Pas grand monde là, je parle à vous. Réveillez-vous. Qu'est-ce que ça dit vous faire? Réveillez-vous. Vous dites encore? Réveillez-vous. Si ou pas. Dans une mesure ou dans l'autre. Réveillez-vous. Le Jésus vini, c'est ça même qu'il t'a dit. Il t'a parlé à Israël parce que Israël a un problème ça. Et ton nation, t'es négligent parce que tu t'es remis la loi, tu as un intérêt personnel. Mais tu n'as pas remis ça, Christ t'a enseigné. Tu t'es négligé parce que tu n'as pas remis, tu n'as pas voulu. Mais ça, le dit dans Matthieu 24, là, depuis verset 36. On nous lit ça. Pour ceux qui est du jour. Et de l'heure. Personne ne le sait. Ni les anges des cieux. Ni le Fils. Mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé. Arrivera de même. À l'avènement du Fils de l'homme, verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Il y a un rapport avec plaisir. Manger, boire, marier petit yo, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Maintenant, ils sont occupés dans les choses personnelles. Ils sont occupés dans les choses naturelles. Ils sont occupés dans les choses charnelles. Mais ils ne sont pas occupés dans Noé Abdi. Amen. Alléluia. Mon autre verset, je vais lire avant là. Mais qui t'aime lire ça avant? Ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint. Et les emporta tous. Ils sont occupés dans un bagage. Vrai bagage qui pourrait aider ou sauver, ils ne sont pas occupés là-dedans. C'est malheur ça pour ne pas arriver. Tout peuple, bon Dieu, besoin d'occuper dans les choses célestes, les choses spirituelles. Il faut qu'ils mettent occupés dans le royaume de Dieu. C'est ça qu'on a réglé là, on va régler le bagage.
Si vous avez l'autre bagaille qui pas, vous avez fait royaume, non, vous perdez vocation. Tout le monde doit chercher un bagaille qui fait encore. Dans un sens ou dans l'autre, c'est pour utile le corps de Christ. Quel qu'on soit Jean lié, pas qu'une personne qui chita là qui pas qu'à fond bagaille, pas qu'une youn. Même si son petit monde ou qu'à fond bagaille. Faut rendre tout utile. Faut son bon serviteur. Faut attendre ça nous rien pour le dire. Verset 39, mais ça le dit. Et ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que l'élu vint et les emporta tous. Ils n'ont pas inquiété au bout, rien nous lit, verset ça déjà plusieurs fois ici. Hein? Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ. De deux hommes qui seront dans un champ. L'un sera pris. L'un sera pris. Et l'autre laissé. L'autre laissé. Quittez m'expliquer ça un petit moment. Ça a une dualité là-dedans. Il y a deux phases. Le Jésus de Gimboulvini. Pendant qu'on a parlé là, Jésus est venu deux fois déjà depuis qu'il était allé. Il est venu au jour de la Pentecôte. Il est venu juger en Israël en 70. L'heure va venir. Il va y avoir deux hommes dans un champ, il va y avoir deux ministères. Il va y avoir deux femmes, il va y avoir deux églises. Il y a une qui va prier, l'autre la va laisser. À l'avènement du Fils de l'homme, c'est comme ça va faire. Maintenant, si nous étions, nous, à marier petite nous, occupant les choses naturelles, ou pas comprendre qui ça va régler dans le royaume de Dieu. Ça fait, c'est bon question de marier seul pour bien marier petit tout. Mais, tout ça qui est naturel, qui est occupé dans l'esprit ou dans la terre, les mal par rapport au royaume de Dieu. Gen baga ou pa ka pa faire parce que faut manger, faut boire, faut mettre rad. Mais faut qu'on mette tout occupé dans le royaume de Dieu. Alléluia. Pierre dit nous c'est pèlerins et voyageurs sur la terre. Il exhorte nous à nous abstenir des convoitises chandelles qui font la guerre à l'âme. Ça fait depuis qu'on est trop à l'aise dans le corps de la chair, dans le corps physique. Aucune tendance négliger les choses spirituelles. Merci mon Dieu. C'est où pour réveiller? Réveille-toi. Toi-même, réveille-toi. C'est où pour réveiller? Tais-toi. Pour apprendre, tais-toi, comprendre. Et accepter les choses d'en haut. C'est pour parler avec vous. Pas quitter le monde qui vient réveiller. Le monde qui réveille, mais au moins, si on vous rend un service lié de vous, c'est un aide libre à vous. Mais il faut que vous ne vous moins réveiller. Yon moun wèk pa ka leve le matin le malade. Pa ka chaque matin fò gòn moun ki pou réveye ou. Ou batè ton lè pou réveye ou réveye à l'heure. Gòn baga nan ou pou tande ou. Même sou ap réveye, même sou ap dormi, men ki pou réveye ou. Et ti moun ki pa ka réveye. Et malgré tout si gen maman ak papa y ap réveye nan lè pou réveye. Mais lò son adulte ou gen conscience, ou gen le bon sens, ou ap réveye nan lè pou réveye pou al travay ou bien pou al l'école. En nous sérieux. Bravo. Yes, faut réveiller. Va avec la fourmi paresseuse. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Pas une personne qui vient parler avec elle. Elle amasse la nourriture. Il serait yo. Pas un monde qui gouma avec elle. Même j'avais un ayo, ou pas gouma avec elle pour le suivre. Et qu'on s'accroche à Babati. Il n'y a pas de gouma avant pour nos corps, pour nous marrer, pour étudier, pour nous battre, pour servir un bien-aimé. Vous avez l'esprit ça. Que son Saint-Nom soit béni. Alléluia, alléluia, alléluia. L'autre à l'aise, c'est ça que fait me dit tout à l'heure. Négligence avec convoitise de la chair et au marché de paix. On va se lâcher, leur chercher confort dans la chair. Vous voulez satisfaire tout désir. Tant qu'on petit monde depuis des jours pas satisfait, ou plaignant, crier, ou bien mauvais, ou énervé.
Gen baga ka passe nan vous pour comprendre ça yoyé. Ou pa ke de lâcher à l'aise ou ta l'aise ça. Et ça fait, l'on batte tout trop confort, li raï, a pa fan yen, li gen jalousie, a pa fan yen, li bouscule moun, a pa fan yen, ou méchant contre frère, a pa fan yen. Et là on va de li tout li ça nan vie ou. S'il décide de raï, c'est pour apprendre ni remè. Entraîner tes tout dans l'amour de Dieu. Le orgueil ou vle monte. Parce que c'est lui qui te fait, pas le côté. Moi, je baisse bien, je marche côté. Là, comme ça, moi, ma terre, c'est vrai. Je descends moins. Mais moi, le côté, ou pas là avec lui. Même s'il fait orgueil, pas lui, même lui monte bien, au moins, je descends moins bien bas. Pour qui ça? Je vais entrer dans la tête, moi, mon monde qui ne traite pas bien. Moi, j'ai besoin de sauver. Alléluia. Alléluia. Aimez vos ennemis. Faut vraiment réveiller pour aimer l'ennemi. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Combien de monde qui peut marcher, joignez l'autre. Pour parler avec elle parce qu'elle est fort, yon bagay. Sous constat toujours bas. Sous constat toujours négligent. Ou bien trop confort. Et ça fait, ou envie manger de l'eau avant envie manger. Ou envie avancer, ou faire bac. Ou remettre mettre tout trop pour pas vouloir souffrir. Vous lagez ou nan pied, ça gagne baga la gagne nan pied là. C'est pas lui qui intéresse m tout bon, mais faut me baisser tête mon côté, faut me non côté pour me lagez tête moi à tête tout. Faut me baisser moi. Et laisser à quitter ça arriver. Autant qu'on pas jamais apprendre humilier, laisser à toujours qui t'a choqué. L'a montrer orgueil, l'a montrer haine, l'a montrer l'esprit. Chaque fois, on pas jamais humilier, on l'autre monde choqué. Jusqu'à ce que si vous apprenez tout bon, vous suspendez faire négligence, vous apprenez les choses au sérieux, vous cultivez tout. Oh, merci Seigneur. Non, mais ça, Jésus te dit là. T'es mal dans Jean 8, mais je vais te dire tout, mais je vais te dire ça. Je vais te dire, oui. Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché. Quiconque se livre au péché. Est esclave du péché. Est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous a franchi. Si donc le fils vous a franchi. Vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Emmanuel Lucien. Lucien. Palante. Oh oh. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Of course, d'Abraham. Yes. Of course. Of course, yes. En allez. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Glory. Ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Alléluia. Et vous faites ce que vous avez. C'est ça en besoin, oui. Ma parole ne pénètre pas en vous. Lorsque vous arrivez en phase, parole, bon Dieu, pas pénétrer. Christ parle, il parle, il parle, il parle. Il parle, parole n'a pas pénétré. Bon négligence en quelque part. Pourquoi ça ne veut pas pénétrer? Je vais attacher ma velle. Je vais arrêter de prélasser. Il y a des choses pour pénétrer dans moi, ce n'est pas tremper, me sortir. C'est rester, me rester la donne. Vous avez besoin de l'eau entrer dans le bagage, mettez le trempé là-dedans. Jusqu'à ce que de l'eau a pénétré. Si vous avez une attitude, une nature qui a repoussé la parole, mettez le trempé dans la parole. Depuis que la parole a sonné, ou là, apprenez cette leçon. Vous avez la résurrection, l'enseigner, l'enseigner. Vous n'avez jamais qu'à expliquer. Même mon problème là. C'est en fonction, m'expliquer déjà. J'avais expliqué déjà. Mais c'est la parole. Qu'est-ce qu'elle va pénétrer là? Répétez ça. Verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Il y a défendu orgueil, c'est petit Abraham nouillé. Mais vous cherchez à me faire mourir. Mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Pourquoi ça nous veut détruire? Non, c'est la parole moi enseigner non.
Moi dit bagarre moi ouais dans le ciel papa. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Alléluia. Ma parole ne pénètre pas en vous. Pour quelle raison? Mon zone de confort. De vous en zone de confort qu'on est gon bagarre négligent quelque part. Car levez-moi les dit le Seigneur merci. Allons lire 2 Chroniques 25. Bon, ça veut dire que je vais finir, mais je vais regretter, je vais finir, je vais content de finir. Qui est-ce que nous allons lire? 2 Chroniques 25. 2 Chroniques 29. Lis verset 11 là. Maintenant, mes fils. Cessez d'être négligent. Car vous avez été choisi par l'Éternel. Pour vous tenir à son service devant lui. Pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Relis verset 5 encore pour moi, s'il vous plaît. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Car vous avez été choisi par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui. Pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Pas oublier ça. Son instruction liée. La Bible balit très clairement pour pas négligent. Faut travailler sous tête tout. Maintenant, nous avons tendance pour nous mettre à l'aise, dormir, lent. Al doucement. Nous ne sommes pas intéressés, oui. Où est la zone de terreur arrivée à oppresser que tout l'autre monde? Vous attendez. Pour quelle raison? La mort m'a enveloppé. Vous lisez verset 5 encore pour moi. C'est 2 Chroniques 29, pas vrai? Verset 21. Oui. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Car vous avez été choisi par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui. Il est vrai que je t'ai parlé au ministère là, mais c'est nous tous qui besoin d'appliquer. Cessez d'être négligent. Yes. Car vous avez été choisi par l'Éternel. Pour vous tenir à son service devant lui. Pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Non pas négligent dans le royaume de Dieu, côté ministre, côté saint. Leur arriver pour faire ce qu'on doit faire, ou doit prendre temps pour faire. Même si tu es dormi à minuit ou tu es levé à 4h du matin, si c'est toute nuit, tu pour passer pour faire ce qu'on doit faire, passer-le sans excuse. Il y a certaines fois, le Seigneur a quitté le comme ça. Certaines fois, pour servir frère. Besoin passer une nuit. Nuit là, pas pour vous. Ou pas gagner la donne personnellement que vous avez bénéficié. Mais c'est ça, ça m'a demandé dans le cas. Et vous pas gagner droit à faire négligence la donne. Ou là, pas vrai? Si vous faites négligence la donne, le Seigneur n'est pas content à vous. Et pas gagner personne qui a venu demander compte. Dans le naturel. Pas qu'une personne qui a vint secouer ou dit ou comment t'es fait ça. D'ailleurs, si ça avait mon joint même, bon, le plus mal net. L'homme ne pas voulait servir le royaume, mon Dieu, si on a essayé plusieurs fois, moi, pas voulait me quitter en repos. Parce que je comprends la nature de la fourmi. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Mais elle prend temps pour le faire ça, elle doit faire, parce qu'elle connaît. Bon, le cas privé, le pape cap saute dehors en hiver. Et je dis, si on ne prend pas le temps, faire ça, on doit faire. Bon, le cas va arriver au pape cap saute. Le nom du Seigneur soit béni. So, qu'a dit bon Dieu merci. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, alléluia. On va dans Jérémie 6, verset
Viens prendre plus haut. Verset 13. Je ne vais pas prendre plus haut parce que pas de temps. Mais lis ça, vous. Car depuis le plus petit jusqu'au depuis plus le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Tous sont avides de gain. Avides de gain. Il y aurait un intérêt. Il y aurait l'esprit cananéen. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Maintenant, mais sacrifier leur comme ça parce que aurait un intérêt. Bagay qui a fait tête au plaisir, mais ça y est fait. Verset 14. Il pense à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. Il pense, oui, P-A-N, pensez plaie. Il pense à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. La plaie de la fille de mon peuple. Père, disent-ils. Et il n'y a point de paix. Il n'y a point de paix. Ça, c'est le travail d'un paresseux. Pas un problème même, plein problème. C'est une seule raison pour ne pas mettre maintenant le problème. Non. Ils n'ont pas reçu comme ça. Ils ont toujours dit que tout le bagage est correct pour ne pas dire l'alphèle. Il y a la paix, il y a la paix, pas la paix. Ils pensent à la légère, la fille. La plaie de la fille de mon peuple. La plaie de la fille de mon peuple. Paix, disent-ils. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. On l'a le verset d'Ézéchiel, là, nous lis ça. Lis chapitre 34 là. Depuis verset 1er. Je ne vais pas le trouver là, mais verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. En ces mots. Fils de l'homme. Prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur. Oui. Aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est ça que fait l'on n'a pas de la fausse religion. Nous comprenons ce qu'on a dit. Nous comprenons ça qu'on fait. Nous parlons faux. Faut comprendre la fausseté pour pas faux ou même. Faut comprendre l'homme qui fait mauvais route ou même ou pas faire le tout. Mais ça qu'on fait faux. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs. Quand ça veut dire se pécer soi-même, ça veut dire qu'on prend soin pour peut-être pas. Jésus te dit Père, mes aïeux. Lors et t'es tout prend soin, hein? Ou qui t'es pas bon Dieu, ya? Quand ça veut dire, ou pas prend soin plaie, les plaies de la fille de mon peuple, la fille de Sion. Il est arrivé, on le, c'est tête qui prend soin. Son problème n'y est, oui. Lorsqu'ils vont, c'est tête qui prend soin. Ou pas qu'à prendre soin de monde parce qu'on n'a pas de temps pour monde. Et si on prend soin de monde, on prend nos niveaux, côté que ça n'a pas fait souffrir. Pas de sacrifice là-dedans. Et dans la volonté, mon Dieu, depuis on prend soin de monde, pas de sacrifice ou pas réel. On m'a écrit ça. Parce que sacrifice, c'est lui-même qui est agréable au Seigneur. Depuis qu'on prend soin de monde, pas de sacrifice, ou pas de rien que perdu, ou pas réel. Parce que toute offrande qui n'a pas gagné sacrifice la donne, bon bagage lui manque. Ou quand vous faites un calette de pain, qu'a offri en libation l'huile, mais c'est un groupe de sacrifices que lié. Sacrifice de culpabilité, sacrifice pour faire bon Dieu plaisir, faut la chair mourir, faut gen sang couler. Et le plus souvent c'est dans cas frère yo, galgi to aller oui là, mais c'est dans cas frère yo. Sou ou pas ka arrive dans phase pour servir frère jusqu'à ce que sans l'esprit ou coule ou pas ka bay jusqu'à ce que il fait mal ou pas ka marcher dans soleil pour aller acheter bagay pour frère ou pas ka souffrir avec elle jusqu'à ce que lui même lui remonter lui relever bon bagay qui manquait bon là que arrivé les pasteurs d'Israël te comme ça verset 3. Vous avez mangé la graisse. Vous avez mangé la graisse.
Vous êtes vêtu avec la laine. Ou prend ti mouton yo, ou ton yo. Ou prend laine yo faire rad mettre sous. Ou prend ti mouton yo, ou tuer yo, ou prend graisse yo pour vendre pour faire cob. C'est tête ou à prend soin. Lorsqu'arrive non zone ou bien non assemblée, tout leader a tué tout le monde pour vivre eux-mêmes. Il y a une négligence dans ça. Ça fait nous pas vouloir comme ça. Si ses frères pas qu'à mourir pour un peuple, il pas digne pour là comme ministre. Si il pas qu'à souffrir avec un peuple, sans il pas abuser. Il pas qu'à prendre graisse bête là, ou prendre mouton hein, ou ton ni pour prendre laine ni pour mettre ses sous, ses sous vous mettez là. La Bible pas vle ça. Les pasteurs, vous avez tué ceux qui étaient gras. Ne devait-il pas paître le troupeau? Le troupeau. Mais ça a fait verset 3. Vous avez mangé la graisse. Vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtu avec la laine. Oui. Vous avez tué ceux qui étaient gras. Vous cherchez monde qui a intérêt avec avantage. C'est eux-mêmes qui prennent, c'est eux qui ont un problème, bagage ça est. Et ça qui n'a pas intérêt, comment on fait pas dans même? Comment on fait pas être dans l'assemblée? Quand on sait 5 ou 6 ministres, c'est les gens qui ont intérêt au préau. L'autre n'a pas existé ou charnel. Pour qu'ils soient négligés l'autre là, ils ne vont pas mériter ça. Tout le monde a besoin de soins. Et pour vous, c'est qu'on s'allie, c'est Babylone qui a bâti. Et qu'on s'en Babylonier. J'ai tout tout pour gras. Vous avez tué ceux qui étaient gras. Vous n'avez point fait perdre les brebis. Vous n'avez point fait perdre les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. C'est faible qui a besoin de fortifier. Guéris celles qui étaient malades. Guéris celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Pensez celles qui étaient blessées. On prend temps à monde qui blessé. Moun qui besoin guérison, yo besoin temps. Faut qu'il y ait un temps pour yo. Jusqu'à ce que plein yo a blessé et pensé. Mais si c'est au lieu c'est où pour penser c'est où qu'a blessé, on va encore. On ne va pas négliger le peuple de Dieu. On nous prend temps avec yo. Continuez. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues. Celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées. Vous les avez dominées avec violence. Et avec dureté. Vous pas bâtir le corps de Christ comme ça. Son tyrannie le vigné. Dominé sous yo. Et vous fini. Bon bagage peuple gen la nan. Ou pas besoin. Ou pas besoin faire arrogance avec elle. Enseignez la parole, remène. Et puis quittez-la. Sincère avec elle, juste envers elle. Restez près dans la justice, soit pour ça qu'a fait. Pas un gourmand avec elle. C'est pour bon Dieu, vous comprenez. Et livré pour tout peuple, bon Dieu. Nous tous besoin de mourir pour l'autre. Si pas un monde qui mourit, l'autre pas de la vie. Si pas un monde qui souffre pour l'autre, l'autre n'a pas de cabre élevé. Pas grand monde qui paye prix pour l'autre monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Non, qui t'aime poser une question pour là. Pour qui est-ce ou paye prix ou même? Pour qui est-ce ou souffrir? Qui est-ce ou aider? Est-ce que seulement chita là ou bien est-ce que aide au monde? Est-ce qu'on fait négligence? Faut chercher un jour quand même pour utile dans le royaume de Dieu. Répétez peut-être de tout le monde s'il vous plaît. Non, faut dire ça plus fort. Dis pour vous-même, faut me chercher yon gens pour moi. Répétez-le avec humilité. Faut me chercher un gens pour m'utile dans le royaume de Dieu. Seigneur, attends des paroles, moi. Oh, alléluia. Cessez d'être négligent dans le royaume de Dieu. Nous protéger d'être nous trop. De vous faire trop dormir. De vous faire quoi manger, quand elle a mené. Oh oui, vous avez besoin de dormir pour une bonne santé. Vous avez besoin de manger pour une bonne santé. Mais vous avez un petit coin tout pour le Seigneur. Amen. Et si vous disposez à faire, bon Dieu va aider.
Alors toi, remets ta droite à bâtir le royaume de Dieu. On va faire le même genre avec Mounsaïo là. Verset 5. Elles se sont dispersées. Elles se sont dispersées. Parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de. Ils sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes. Sur toutes les collines élevées. Et comme ça, peuple bon Dieu a largué sous mille têtes monde. Yo à droite, yo à gauche, parce que yo pas qu'à jouer une monde qui vous prend soin yo. Moun qui appelé pour prendre soin, c'est abusé, c'est exploité, exploité. Ça mal, il l'aide, il n'est pas spirituel, il n'est pas le corps de Christ. Dans le corps de Jésus-Christ, tout bien-aimé supposé à servir l'autre. Alléluia. On va besoin de demander gloire personnelle. On servit, frère. Sans négligence. Bâti-yo. Non, pile verset biblique, l'apta. Cessez d'être négligent. On bâtit le corps de Jésus-Christ. Nous avons même un groupe de peuple qui a un souci pour les autres. Les gens qui ne peuvent pas forcer à faire rien. Si jamais on t'a ouvert la bouche, il paraît pour passer la nuit avec vous. Si jamais on ouvre la bouche, il paraît pour la distance avec vous. Il y a des gens qui protègent la tête. De manière très usée. Li nan kora, ou li la, li protège, mais le pablo ouè ça. Li konnen fòl nan kora, mais le protège. Li pa paye prix à tout bon nom, mais li la. Fò pa wèl pa paye prix, mais le pa paye. Mais pour ou la paye? Pa gen photocopie nan kò Kris. Pa gen photocopie on membre. Ou nan kora, ou pa nan kora, pa nan kora. C'est aussi réel que lié. Je veux entendre des bruits. Je veux entendre des soins après régler dans le Christ. Je veux comprendre qui ça a intéressé fait. Si vous voulez dans l'épouse de Jésus-Christ, il faut encore depuis aujourd'hui. Et c'est lui le corps qui va produire l'épouse. Je vais finir pour me dire. Vous ne pouvez pas être négligent avec propre tête part. Négliger, étudier la parole, je dois étudier. Négliger, prier, jeûner, j'en dois prier, jeûner. Ou pas de négliger, pratiquer les écritures parce que vous sauvegardez tes tout bien, vous surprotégez tes tout. Lorsque vous faites ça, parce que vous surprotégez tes tout, vous êtes fidèle, vrai. Ou pas de négliger envers les saints de Dieu. Nous pas dans classe ministérielle, mais dans l'église. Quand vous êtes ministre, quand vous êtes saint. Leur l'or arrive pour payer, prix pour payer, payer. Bon Dieu va avoir. On fait miséricorde. À qui fait miséricorde? La miséricorde triomphe du jugement. Leur le Seigneur va entrer dans le jugement avant. Sous pas de miséricorde, c'est où qu'a passé? Heureux les miséricordieux. Ils obtiendront miséricorde. N'a pas encouragé au travail qui n'est pas physique. Qui n'est pas visible, mais qui est réel. Je vais vous dire ce que vous faites. Vous arrivez aux États-Unis, si vous ne payez pas les taxes, vous ne payez pas. Vous ne payez pas. Ça, vous avez le retard maintenant. Pension. C'est ça que fait. Même si vous ne pouvez pas vivre dans le pays, là, ou à vivre en dehors de pays a, ou voyez payer taxes dans pays a quand même. Ou voyez payer le deux coups. Yo notez ça. Ou pas voyez payer li, l'arrivé, yo bo $100 par mois, ou bien bo $75. Je dis mais c'est ça nous même c'est sorte fait. Ou dit bon pas dans pays a, mais ou pas voyez payer taxes tout. Ou te négliger ça. Le sa kobla te trop pour te bay. Kounya lor grand moun, li trop pour yo ba ou tout. De yon kek zami, le mwen wap poste taxe voye. Ali msa ka passe la, di nou gen résidence fa nou voye paye taxe dans pays ya. Parce que le nrivon le, y ap di nou kek bagay. Même de gon expérience personnelle avec maman. Maman te aux États-Unis, li gen résidence. Li
li amuse, li pa paye taxe. Elle me dit, maman, mais paye taxe. Il dit, c'est quoi le fa taxe là? Il appelle. Je vis bagay sa m'abdou là. Tandis ça arrive. Li travaille, on l'aile, pas travaille, on l'autre l'aile. L'arrivée non là pour recevoir pensionné li a l'appliquer. Yo voye di li madame ou pa paye taxe. Ti taxe ou paye tellement petit ne pa ka bon rien sou li. Li di m pral prendre avocat, m di maman pa pral prendre avocat pour non parce que m songe. M te dou pou paye taxe moun yo. M te comprendre ça m t'ap di ou m te dou paye taxe. Li parle là nan bureau, li sorti et va occuper. Jusqu'à ce que l'entrée ici, je pas jamais voyé un goutte pour lui. Jusqu'à ce que le mouri. Il dit moi pas vraiment rien, m'dou pas payer taxe. Moi j'ai pas rien. J'ai pas rien pour faire calcul. Parce que enregistré. Bon mes amis, si machine les hommes quand enregistrer bagay comme ça. Là on néglige pas bon Dieu. Bon là on frappe porte le Seigneur, c'est négligence qui a répondre dans porte là. Il a mettre écran bagay sous porte là pour négligence. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Sans semer, c'est lui ou pas joindre, on pas semer rien, on pas joindre rien, on te semer ou pas joindre. Il est vrai que l'on semé l'a multiplié vous. Mais on ne va pas semer rien. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour de Dieu. Si vous voulez encore avant négligence, et m'a dit au nom de Jésus d'elle. Si t'es tout pas voulu payer, puis c'est pour cultiver. M'a fait un baguette en lila. Mais la parole de Dieu plein avec les choses célestes de ce genre. Abraham était un homme de vision, un homme de foi. Les anges ont passé pour le détruire Sodome et Gomorrhe. Et puis il regardait lui, ouais, personnages, c'est des personnages. Il n'y a pas n'importe qui est sur Angélique. Et puis il dit Sarah, il courit promptement. C'est moi ma bola. Ma mabli, et Genèse 18, pas vrai? Où fait-il? Il courit promptement. L'aller. Et puis avec empressement. Et puis il dit Sarah, vite! Mais moi, vite! En allez, fais vite! Mais des hommes de Dieu viennent là! En allez! Je regrette ma gueule de me lier, grâce à l'après-midi. En allez, en allez! Bon chevaux! En nous tuer, lui, fais vite, préparer à manger pour ces hommes, fais vite! Paul a répété bagay ça dans Genèse 18 là. Il dit exercer l'hospitalité, car en le faisant, quelques-uns ont l'osé. Des anges chez vous. Alléluia. Quelquefois, son ange de servir la caille ou comme une personnalité simple comme ça. Soit ange du deuxième ciel ou bien ange du troisième ciel. Ou pas une révélation, on a négligé et vous pas comprendre ça. Alléluia. Bon, bon, petit ange qui a marché. Bon, petit monde. Bon, Dieu, qui a eu sur. On ne doit pas négliger personne. Il faut prendre soin d'eux comme des rois et des reines. Prends soin d'eux. Même si là, vous n'avez pas encore. Prends soin d'eux. Pendant que vous avez des yeux, un jour, ouais, Dieu va l'ouvrir. Il y a des gens qui sont là, je dis, à son Saint-Corps qui te servent. Dieu va te l'ouvrir. Mais on seulement goûter. Il n'y a pas qu'on ne voit pas ça avant. Ou pas négliger, ou servir, et puis je dis, amène dans le royaume ensemble avant. Que son Seigneur soit béni. Pas négliger ni envers tête ou, ni dans le royaume de Dieu envers les autres. C'est pour cultiver la diligence, promptitude, zèle, alléluia, l'empressement. C'est pour jeter toute vieille lenteur, vieille la mort. Mais c'est pour vous courir vers la perfection. Et mon Dieu béni, après-midi. Gens yo pas qu'à bâtir le royaume de Dieu. Gens yo pas de succès dans mon Dieu.
Gen jan yo pa jwenn anyen spirituel ka pou tourner vin jwenn nou parce qu'on néglige trop. Mais bâti le corps de Christ. Levez-moi les dire bon Dieu merci. Alléluia. Pas oublié. Royaume dans ce travail lié. C'est travail pour travail. Son femme vertueuse qui va produire. Ça la produire. Rebecca, ton femme vertueuse. La Bible dit qu'il peut trouver une femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Faut vertueuse si son femme mouillée. Faut qu'elle ait la vertu de servir. Faut arrêter là avec patience. Il faut demander, mais ça, mon sœur, il est intéressé dans la situation ça comme ça. M'a réglé un bagaille. M'a semé. M'a confié dans mon Dieu. Parce que nous, ouais, le Seigneur. Voyons, mon Dieu, a dû intéresser comme la fourmi. Sans inspecteur. Sans chef. Ni maître. Mais on a produit le royaume de Dieu. Que son Saint-Nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Vous voyez quand il dit ça, hein, bien aimé. Quand vous voulez arriver, nous finissons. Combien de monde qui prend le fond et froid à tête tout? Combien de monde qui prend le réveiller de la mort? Est-ce que vous voulez? Mettez-vous au travail. Le Seigneur va bénir. Est-ce qu'on a fait vite? Ça a la donne douille. Fais-le avec empressement. Chantez-nous, mes bien-aimés. Est-ce que vous voulez faire une prière? Dis Seigneur, délivrez-moi de la paresse. Oui, c'est ça, vous dit le Seigneur, nous allons prier. Tout côté qu'on néglige, même corps à peuple, bon Dieu. Mandez le Seigneur l'ouvision. Levez le sous pied. Mandez le Seigneur aide-lui. Cher Seigneur, nous remercions. Nous venons devant après-midi. N'importe qui zone qui a un manquement. Nous avons de vous pardonner l'esprit, nous. Seigneur, ben nous diligence. Ben nous zèle. Par nos promptitudes, par nos empressements, pour nous servir. Et de nous aimer la vérité. Et de nous aimer les écritures. Et nous vivre pour Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, really God. Seigneur, agis pour nous. C'est un médecin qui choye dans le cœur nous qui n'a pas gagné avant. Médecin qui choye dans la vie nous qui n'a pas existé. Et derrière dans les choses spirituelles. Que ton Seigneur soit béni, Seigneur. Alléluia. Levez-moi les dit le Seigneur, merci vous saluer. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, tell me.